Un ami m'a dit, je le cite, je pense que tu connais assez bien la sociologie de la Mauritanie pour comprendre que dès que l'on touche à l'ethnie, surtout chez les Peuls, on rentre dans un terrain émotionnel où la raison n'est plus. Donc voilà ce qu'un ami m'a dit. Et pour ma part, je rappelle que la seule fois que j'ai parlé des Peuls, c'était pour louer le rôle éminemment positif qu'ils ont joué dans la propagation de l'islam en Afrique. C'est cela le vrai terrorisme intellectuel, Seydou. C'est quand on ne peut plus affronter une personne sur le terrain idéologique de peur de froisser sa communauté. Nous sommes ici dans une parfaite illustration de la fameuse Asabiya chère à Ibn Khaldoun. Voilà ce que j'avais à dire. Et merci beaucoup à RMI Info pour l'invitation. Je souhaite à tous une bonne émission, y compris le professeur Ba, qui n'a pourtant pas cessé de m'insulter durant ces derniers jours. Et je les mets au défi de sortir la moindre insulte que je lui ai adressée, que ce soit directement ou sur ma page Facebook. Bon, je passe sur les insultes et les noms d'oiseaux qui ne s'y aident pas ou qui sont indignes d'un professeur de la trempe du docteur Ba. Je reviens juste sur le passage où il dit que j'ai déformé ses propos. Parce qu'en fait, la phrase polémique, lui, il ne l'a pas citée une seule fois durant toute l'interview et je l'ai écoutée. Il n'a pas cité une seule fois la phrase dont il dit qu'il est solidaire du peuple juif. Dont par ailleurs il admire le cheminement, son droit. Mais pourquoi il passe sur ce passage-là qui pose quand même problème? Par ailleurs, je précise que d'abord j'ai voulu aller sur le débat d'idées. J'ai répondu en français sur son intervention. Et ensuite, effectivement, je l'ai traduite en arabe. Je n'ai pas compris pourquoi ça le froisse qu'elle soit traduite en arabe. Il voulait garder ça secret, il voulait garder cette intervention cachée, il a du mal à l'assumer. Ça, c'est de un. De deux, s'il trouve que j'ai fait une traduction malhonnête de ses propos, pourquoi il ne nous propose pas, lui, la bonne traduction, sachant qu'il a dit qu'il a des amis qui parlent très bien arabe. Ces amis-là, ils n'ont qu'à nous traduire ses propos. Encore une fois, c'est son droit le plus absolu de soutenir qui il veut et d'être à côté de qui il veut. Seulement, moi, je n'accepte pas le fait de dire que j'ai menti ou que j'ai déformé ou que j'incite à la haine. Ça, je ne l'admets pas. Et après, s'il préfère se cacher derrière cela plutôt que d'assumer ses propos, c'est son droit le plus absolu.